Bonsoir à tous, c'est Rizzi SCP et je vous souhaite la bienvenue sur ma série Sky Factory 2. Je suis content de vous retrouver et... Donc bienvenue, hein, comme je le disais. C'est génial cette voix, je ne sais pas du tout faire la voix des gonzesses. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer non pas à Botania et aux runes comme je l'avais dit dans le précédent épisode, pardon. Puisque je ne peux pas faire les runes, en fait, il me manque beaucoup trop de matériel que je ne peux obtenir. Du coup, on va s'attaquer aux achievements, puisque vous aviez vu qu'il y avait des achievements de Botania. Et on va peut-être faire une rune quand même pour finir cet achievement. Alors d'abord, nous allons commencer par... D'accord. On va commencer par Just Be a Friend. Donc, make a tiny potato and petit. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il me faut pour ça. Tiny potato, j'avais déjà regardé. Il me faut de la red mana pétale avec une mana infused string. Alors, on va prendre ça. Donc, 8 mana, 8 red. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, ok. On va aller chercher les strings. Hop là, les strings. Et bim, devant la mana pool. Alors, on jette ça pour faire une mana string. Ok, ça c'est bon. Du coup, ça renvoie dessus. Hop. J'en ai 8 et on va balancer. Hein. En soi, je peux peut-être jeter comme ça. Oui, nickel. Je regarde si ça a enlevé beaucoup de mana ou pas. Non, pas du tout en fait. Hein. Bon, voilà. Donc là, c'est assez simple. Hop. C'est relativement simple, hein, le craft. Tac. La mana infusette. Et nous avons notre tiny potato équipable en amulette. En amulette. C'est-à-dire, ça veut dire ici. Ah oui, ça veut dire ici. Et qu'est-ce que ça fait? Ah, qu'est-ce que j'ai eu? C'est pas le bon, ça. What? Non, non, non. Achievement. Non, c'est pas le bon. J'ai pas eu le bon craft. Bon, au moins, j'ai eu cet achievement. Mais, une petite. Comment ça, petite? Ça veut dire quoi, ça, petite? Équipable. Press B to open the bubble menu. Très bien. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas du tout comment on le fait pop. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis par terre? What the fuck? Oui, ok. Mais je ne sais pas que press B équipable in amulet slow. Bon, c'est pas grave, on va passer au suivant. On va faire le suivant, hein, tant pis, écoutez. Option, non. Achievement. Hop, et donc le suivant, c'était live drive. Donc mec, faire un spark. Très bien, bon, on va faire un spark. Et après, il y avait Rotten... Oh, et Rezzy, c'est moi. Donc, ouais, ok. Alors. Tac, un spark. Comment on fait ça? Spark. Touk. Spark. De la blaze powder, une golden nugget et deux white mana pétales. Donc, on va prendre ça. White mana pétales, il m'en faut juste ça. Tac. J'essaierai de faire le tiny potato plus loin, enfin d'une autre façon, on verra. Je sais pas pourquoi ça il a disparu comme ça. Et ça m'a pas accompli l'achievement, c'est dommage. Ah merde, j'ai pas fait la mana pétale qui est con. On y retourne. Tout, 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 tout. Rends-moi ça. Et voilà, merci. Alors. On avait dit qu'il me faisait de la blaze powder. Il me semble que j'en ai dans le coffre ici, sinon je suis dans la merde. Oui, j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une golden nuggets. Tac, hop, hop. Voilà, parfait. On repose ça. On va le fabriquer ici, hein, pas besoin de retourner là-bas. Non, c'est comme ça, n'importe quoi. Hop, 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 hop.
Et là, les white mana pétales. Et nous avons notre Spark Live Drive. Malheureusement pour le Tiny Potato, tant pis. Hein. C'est pas très grave le reste. On va le poser ici en attendant. What? Non, pas là. Voilà. Comment ça se pose? Je ne sais pas. Bon, on va le poser ici plutôt. Voilà. Je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Et on ne le verra pas tout de suite. Donc on avait dit ça, on avait dit ensuite... Ah, pourquoi je mets option à chaque fois? Bordel. Donc la Rotten Erisian Chocolate, ça c'est Mana Cookie. Il faudra faire une rune. Alors, Mana Cookie. Hop, hop, hop. Erreur. Mana Cookie. Tac. Quoi, c'est tout? D'accord. Comment on fait un cookie déjà? Wheat et cacao bean. Est-ce que j'ai ça? Oh, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Alors. D'accord, je n'ai pas ça. Il me faut une seed. Donc ça, c'est melon seed. J'ai pas de seed. Où c'est que j'ai pu les mettre? Tac, tac, tac. Peut-être par là. Non, pas du tout. Pas du tout non plus. J'ai eu ça aussi. Je sais pas ce que c'est. On va le planter. Et ça. Hop, on va les planter et on va voir ce que c'est. Je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas. Ah! Quoi? Enchanted sol. D'accord. On va poser ça dessus. Black Lotus. Ah, on peut pas le poser dessus. On peut pas le poser là. Ah, on peut pas le poser. Ok. Tant pis. En soi, on peut regarder à quoi ça sert. Black Lotus, basique. Ah, tiens, si, c'est là. Nanana. Alors, si j'ai bien compris. J'ai mal compris. Je ne sais pas, c'est pas grave. À mon avis, ça doit se planter quelque part. On verra ça plus tard. Et oh, qu'est-ce qu'ils font là? Bah alors. Hop là. Aïe, 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 aïe. Eh, mais ils me font mal, l'enfoiré. L'enfoiré, il me fait mal. Ah, oh, d'où il me fait aussi mal? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, c'est où qu'il manque de la lumière? Tout ici, d'accord. Du coup, ça pop, les enfoirés. Voilà, ça ne manque plus de lumière. Bon, on va poser cette Black Lotus. Voilà. Et on va chercher de la cite. Où c'est que j'en ai? Je dois en avoir par là-bas. Là, l'acide. Et des cacao beans, il me semble que j'en ai ici, mais pour l'instant, je peux pas le... Ok, cacao beans. Alors, ah, mais si, c'est bon, en fait, ça suffit. Eh ben, parfait. Est-ce que... J'ai pas regardé. Est-ce que j'ai... Ah, ben oui, ben voilà, pas besoin de graines. Hop. On fait notre cookie. Tac, 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 tac. On a nos cookies. 8. Ah, bien. Et on va jeter, on va jeter les 8, hein, comme ça on a de la mana cookie. On a 8 mana cookie et on verra ce que ça donne. Hop, hop. Non, dedans, rentre dedans. Oui, plein de mana cookie. Ouh, ça me l'a bien vidé quand même. Oh, ça va en fait. Et est-ce que je peux le manger? Non. Ok. Ça m'a pas donné l'achievement. Hop. Rotten Heresy and Chocolate. Infuse and... Ah, il faut manger aussi. Bon, on va attendre que j'ai besoin de manger. Hein. Et je vous dis à tout de suite. Attention, on va manger. Miam, 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 miam.
Bah, c'est tout. Oh, je pensais que ça donnait de la mana ou quelque chose comme ça. Donc, ça, on a vu. Maintenant, on va s'attaquer aux runes. Hein. Il y a quelques runes que je peux faire. Hop, Botania. Tac, tac. Les runes. Non, c'est pas ça. What? Peut-être ça? Non, c'est pas ça. Mana manipulation. Pas du tout. C'est pas ça. Merde, c'est où? Bah, c'est peut-être là. Ah, bah, c'est sur le Runic Altar. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire assez facile? Block of Call, Mushroom. Ça, je ne peux pas, parce que j'ai pas de Mushroom. Fishing Rod, ça, voilà, je peux faire ça. Rune of Water. Bonne Mille, Sugar et Fishing Rod. J'avais déjà fait le stock, ici. Donc, ça m'évitera de le faire. 1, 2. Ça... Et ça? 12? Non. Non. Non, il en faut un. Un de chaque. Mais c'est pas ça. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? What? Ça? Non, du tout. Il me manque la sucre de canne, il me manque. Pourquoi je n'ai pas de sucre de canne? D'accord. C'est pas grave. Alors, la water, on abandonne. La carpette, feather et string. Ça, c'est faisable. J'ai la carpette, j'ai le feather, j'ai le string. Voilà. Donc, apparemment, il faut poser ça ici, si j'ai bien compris. Dans l'ordre ou pas, je sais pas. Ah, juste un clic droit. Ok, nickel. Et donc... Ah, il faut mettre une living rod, il me semble. Living rod. Là-bas. Living Rod! Non, Living Rock, ok. Non. Ok. Ah. Problème. Pourquoi ça n'envoie pas la... Ça a pas l'air de marcher. C'est bien ça, le truc, hein. Ah non, il a mana steel. Bah alors... M'en faut 3. Si je fais le craft à moitié, ça va pas le faire. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. Hop. Non ! Ah, ça marche ! D'accord, ça charge petit à petit. Nickel ! Regardez. Ça fait un camembert avec le truc vert. Pas le camembert à manger, non. Tu me saoules avec tes vannes de merde. Hein. Allez, ça va lentement hein, quand même. Et regardez tout ce flux énergétique qui s'en va de la mana pool. Presque rien en fait. Faut jeter la Living Rock. Et oh, la foudre qui s'abat, Thor! Salut Thor, viens à moi. Il faut peut-être faire un clic. Ah oui, il faut faire un clic. Et nous avons notre Rune of Air qu'on va poser ici, hein, tranquille. Et du coup, nous avons eu l'achievement ici. Et on peut faire Rock Bell, Craft Dirty Stiqua. Stiqua? Rod of the Land, Craft and Fire Mana Blaster. Ouh, le flingue, allez. Dancer in the Dark. Conjure Terrastial Ingot using Terrastrial Agglomeration Plate. Waouh, là ça va être compliqué. Là ça va devenir compliqué. On fera peut-être une pause sur ça avant de s'attaquer au Terrastial. On retournera sur Magical Crops pour pouvoir finir un peu. En même temps, il reste combien de temps là? Il reste pas mal, allez. J'ai peut-être le temps. Allez. On va tester. Donc, alors, c'est quoi le truc qu'il me fait? Non. Achievement. Qu'est-ce que je devais faire? Maider Strander Girl. Craft Mana Blaster. Alors, on va voir le craft du Mana Blaster, voir si c'est compliqué ou pas. Mana Blaster. Hop. Ouh là là, Rune of Mana. Mana Diamond. TNT. Ouais, pardon. Ouais, bon, ça va, ça c'est relativement simple.
Donc, Rune of Mana. Est-ce que la Rune of Mana, je peux la faire? Parce que la Mana Diamond, c'est relativement facile. Rune of Mana. Voilà. Tac. Oui, c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5 et une Underpearl. Faut que j'aille chercher une Underpearl. On va prendre les 5 déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Alors, j'ai fait un petit passage, hein, comme vous avez pu le voir. Ce qui me rapproche de la base. La base. Pas la baise, hein, la base. Hop. Oula. 1. Et tac. Et tac. Dans la cuisine. Pour ceux qui ont joué à Adibou. N'importe quoi, le mec. Donc, toc, 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 on y va. On jette l'Underpearl dans la mana pool, puisque il faut une mana pool, une mana perle, pardon. Hop, hop. Et là, hop, 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 hop. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche! La Living Rock. Et ah! On va la jeter directement. Voilà, parfait. Et nous avons notre Mana Pearl. Alors, ensuite, on avait dit donc... je me rappelle plus du nom du tout. Merde. Mana. Tac, 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 tac. Il est où? Il est où? Il est là. Mana Blaster. Donc, deux Living Rock. La TNT. Redstone, donc une mana spreader et de la redstone, relativement simple. La TNT, je ne me rappelle plus, du sable et de la gunpowder, c'est facile aussi. Ok, alors. Il me faut deux living wood, j'en ai deux. Hop, une mana spreader, de la redstone. Où c'est que j'ai de la redstone? Par là-bas. Par là-bas, on a toutes. Donc de la redstone, un diamant. Touk, touk, touk. Hop, hop, hop. Voilà, de la redstone, elle est où la redstone? Comment ça, elle est pas là la redstone? Où est la redstone? Elle est là la redstone. Touk. Touk. Voilà, hop. Ensuite, on avait dit, je ne me souviens plus. Ah oui, la TNT, donc du sable, 5 sables et 5 gunpowder. Donc la gunpowder, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5. Tac, tac, tac. C'est un vrai bordel dans mon sac quand même. Et le sable, je sais pas si j'en ai. Est-ce que j'en ai du sable? Là, sûrement. J'ai du sable, parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 4. Il m'en faut 5. Allez, on va crafter ça. Donc, hop. Est-ce que... Non, c'est 4 en plus qu'il en faut. D'accord. Hop, hop, et hop. Voilà, nous avons notre TNT. Nous avons notre Redstone Mana Spreader. Et voilà, c'est tout. Je vérifie. Et oui, il ne manque plus que la mana Diamond. Et la mana Rune. La Rune of Mana. Donc la mana Diamond qu'on jette ici. Parfait, voilà, nickel. Donc on fait ça. Ah mais non, je suis con. Bien sûr que non, c'est un craft. Alors, hop. Hop. Donc, on a dit ça là. Ça ici. Living Rock. La TNT. Et la Redstone of Mana Pearl. Nous avons notre Mana Blaster. Ça marche bien. Je suppose qu'il faut de la mana. Et pour ça, il va falloir faire de... Mana tablette ou un truc comme ça, il me semble. Touk, touk, touk. Bon, on va la faire, hein. Il me reste encore un peu de temps, 16 minutes, c'est parfait.
Non, 16 minutes, pas du tout. Il reste pas 16 minutes et ça fait pas 16 minutes. Je dis n'importe quoi. Alors, la mana tablette, comment on fait ça? Mana tablette, parfait. Bon, je sais à quoi ça sert. Donc, c'est de la living rot avec une... Ah, une mana perle encore, bordel. Je devrais ramener des under perles ici. Donc, living rock, on a dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va chercher l'under perle. Donc, hop, l'under perle. Ah, bordel, ce double clic, il m'énerve. Hop, et ben on va prendre les 16 autres. Hein. Tiens, allez, hop. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Je pisse de la mana perle! Voilà. Ah, je peux les stacker par 17, tiens, c'est marrant ça. Très très drôle. Hilarant. Bon, ça s'étend pas. Hein. Comme on pouvait s'y attendre. Donc, on a vu, c'est ça. Et entouré de Living Rock. Hein. Si j'ai bien compris. Hop. Et nous avons notre mana tablette, génial! Qu'on va jeter dans la mana pool pour pouvoir la remplir. Ah, oh, mais c'est pas... C'est chiant, ça. Est-ce que ça la remplit, on dirait? Pas du tout! Génial. Alors, accepting mana, d'accord. Donc, il faut faire sparing mana. J'avais vu ça la dernière fois. Et là, ça devrait la remplir. Oui, ça la remplit. On dirait bien. Il y a de la foudre qui sort de la mana. Poule. Ouh, ça vide bien! Ouch! Ah ouais, quand même, ça continue à vider, donc ça veut dire que ça se remplit. Ah ouais, la mana tablette, elle stocke pas mal de mana, mine de rien. Et donc ces mana tablettes, elles servent en fait à stocker la mana, et on peut la garder et la reposer aussi dans la mana pool, c'est ça qui est intéressant. D'accord, ça vide presque les trois quarts de la mana. Et là, normalement, j'ai une barre de mana qui est en plein milieu, c'est malheureux. Ah, 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 c'est magnifique! Ah, c'est énorme! Pouh! Ah, on peut pas tirer en continu. Ah, énorme, j'adore. Ok, génial. C'est génial. Et nous avons accompli notre achievement. Et donc maintenant, on s'attaque à Rock Bell, puisque Major Stranded Girl est terminé. Craft Dirty Sty Earth. Rod of the Land. Bon. Je sais pas ce que c'est. On va chercher sur Dirty. Pas du tout. Dirty Mug. D'accord. Je ne vois pas du tout ce que c'est. Achievement. Hop. Rod of the... Dirty... Rod of the Land. Bon, on va chercher dans Rod of the Land, peut-être. Rod of the Land. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, hein. Rod of the End. Oh, je me demande à quoi ça sert. Hein. Dirt, une living twig, rune of earth. Ah, la rune of earth, je ne peux pas la faire. Il me faut une mushroom que je n'ai pas et que je ne peux avoir pour l'instant, j'espère en tout cas. J'espère qu'il y en aura dans un autre monde ou un truc comme ça. Donc, tant pis pour cet achievement. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'ai le terracil. Je m'en occuperai pas tout de suite. Hein. Désolé. Bon, ben, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Oh, regardez, j'ai le cookie derrière mon dos. C'est énorme. Ah oui, puisque... D'accord. Et là, si je fais ça... j'ai une sapline derrière le dos. Pas mal. Attendez. Hop. Waouh, c'est gros quand même. Et voilà, je suis avec... On dirait une hache hein, de dos comme ça. Je suis avec... Mana Blaster. Et c'est comme ça que je... What? Ah mais je l'ai toujours en fait. D'accord. Ok, je la cherche. Énorme. Et ben c'est sur cette fin que je vous laisse hein, puisque c'est la fin donc il faut vous laisser. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois on s'attaquera à Magical Crops. On essaiera de voler
Et oui, on peut voler et grâce à Magical Crops. La prochaine fois, j'essaierai de voler. Je planterai aussi du fer puisque c'est dans les quêtes. Et on va un peu avancer dans les quêtes qu'il faut, hein, histoire de faire un peu tout ce qui est mécanique. Alors, suivez bien cette série. Hein. Bisous à tous. Bye bye.